Salut, station fréquence, les messieurs 1351 ou 12 de la part de Danny 33 et bonne journée depuis le pont d'Aquitaine. Merci, bonne journée. Et 73 à toi la belette, comment vas-tu? Putain, puis il y a du brouillard ce matin. Ben tu vois, moi là, je débauche et ben, je rentre au cuir, hein, là, un petit coup à 144 et puis tout ira bien. Ok, d'accord. Ben, je suis à la hauteur de la sortie Lormont, là, la sortie 2, là, j'ai tendance à te perdre un petit peu là dans le coin là. Ah oui, d'accord, par rapport à moi, t'es carrément de l'autre côté. D'accord, ok, bonne journée à toi et à la prochaine. Les stations fréquences qui sont rocades rive droite, d'après ce que je viens de voir, il y a eu un accident. Alors, prudence à vous. T'as toujours celui que je suis venu? Ouais, le petit là, ouais, ben attends. Alors moi, c'était pas eu, j'en achète un autre, t'as eu déjà une petite goutte. Et puis là, on a mangé gros là. Ben écoute, là, tu m'arrives à 9 plus 10, 9 plus 15. Ah, tu vois, pour un petit machin, ça marche pas mal quand même. Ouais, ça marche. Tu en as bouffé 6 000 euros, garçon. Et puis on est très bien comme ça. Moi je te dirais, attends, je bouge pas, je relâche.
Je crois que ton pied marchait plus. Moi, c'est vrai que je l'ai pas souvent en plus. Hein. Bon, ben là, je suis sauf quand tu m'avais parlé de lundi, quand tu m'appelais samedi, là. Je vais aller voir s'il y en a deux par là, ou savoir s'il y en a par là, Michel et tout. Bon, ben, ok, mais je n'entendais pas, puis Michel m'a dit, mais je sais pas, elle m'en a pas parlé plus que ça. Bon. Là, je lui ai dit, faudra qu'elle ait dit qu'on aille voir Fifi. Elle a dit ça, faudra qu'on aille voir Fifi. Puis en fin de compte, je n'ai pas reparlé depuis. Bon, ce qui fait que, cet après-midi, je voulais lui en parler, j'ai zappé. Donc voilà, donc ce qui fait que, on essaiera d'y aller mercredi soir, je vais lui en parler, hein. Et puis, je te tiens au courant. Ouais, ben écoute, y a pas de soucis, voilà, y a pas de problème. Bon, comment on va, JP, parce que là, ça m'inquiète quand même, là, parce que, l'autre fois, il faisait un petit peu de bruit, sans faire trop de bruit, bien sûr. Puis là, je sais pas, j'en ai un peu. Enfin, ça m'inquiète un peu. Il a changé l'antenne en même temps ou pas? Moi, ouais, toujours sa vieille antenne de merde, là, mais bon, le problème, c'est que sans trop de pépettes, tu peux pas ouvrir une antenne comme ça, quoi. Oui, ça, je sais bien, ouais, tout à fait, mais, c'est chiant, quoi. Parce que, bon, même plus de toute façon, s'il passe avec une antenne plus moderne, ce que l'on a, parce que j'ai, parce que c'est une vieille antenne, quoi. Enfin, c'est un vieux modèle, quoi. De toute façon, il va gagner un point, mais c'est où? Mais en puissance, après, c'est pas plus, quoi. Mais il a un ampli, je sais pas s'il l'a mis. Ben écoute, je sais pas s'il a un ampli, mais s'il le met, il marche pas. Hein. Je sais pas s'il l'a mis, ça. C'est de même pour moi. Mais c'est 6 minutes, tu verras ce que tu t'entends mieux. Ah oui, mais franchement, elle est pas très, si tu mets ton ampli. On est mieux. Et merde, chier, mon petit antenne, ça passe pas dehors. Bon, là, il y a un problème. Attends, il y a quelqu'un qui a parlé en même temps que toi. Qui c'est qui a parlé, là? Dites-moi, c'est toi qui a parlé? Michel? Non, mais je sais pas, il y a quelqu'un qui est assourdi. Il est assourdi, non, il a essayé de surmoduler, c'est différent. Attends, j'ai pas beaucoup de puissance, j'ai toujours été militaire, moi. Moi j'en ai un peu trop là par contre, je vais couper, mais ça va vous faire bizarre déjà. Je vais couper, je pense que ça va faire bizarre. Là, je vais couper, ça y est. Ah, j'entends déjà toujours JP quand même, hein. Même comme ça, hein. Bah oui, mais je vais couper. Bon, moi c'est vrai, je vais pas investir dans l'ampli, je vais investir dans autre chose, bon, c'est pas dit qu'on le passe pas, mais je sais pas. C'est pour entendre 3 ou 4 personnes, il faut dans le monde, ben là. Ouais, ouais. Bon, JP, vous voyez? Oui, je suis derrière. Moi, que je sais, ça a parlé, mais bon, le problème, c'est qu'il ne va pas assez longtemps, on n'a même pas le temps de savoir ce qu'il dit, quoi. Bon, JP, parle d'ici pour voir. Bon, JP, moi, sinon je bouffe le chien. Attends, je règle un truc, hein. Bon côté. Bon, je parle. Qu'est-ce qu'il m'en veut? Bon, tu m'entends un peu mieux, si je ne pas. Il y a un ampli, là, ou il est mon Dieu à l'envers, bordel? J'ai un ampli, là. Mais t'as un ampli, là, mais c'est impossible, il passe pas plus fort que tout à l'heure. Moi, j'ai un ampli, mais bon, je ne sais pas trop mettre longtemps, parce que si je vois avec le gris, sinon... T'aurais pas cassé ta base avec un bon ampli au cul, ça marchait très bien, mais bon, voilà, je sais pas si c'est pas... T'as avec quel poste, là? Je sais pas, Manu, y a quoi comme appareil, là? Bah, je sais pas, Manu est parti. Je sais pas, essaye de refaire un passage, JP, t'as quoi comme poste, là? J'essaie de tendre l'orteil. Parce qu'il avait au fond de Manu.
C'est mon ancien masque que j'avais, avec quoi je me pouvais réclamer son alimentation. Et je suis le serveur de son Lincoln, donc je lui ai donné ma base. Ben, je sais pas, c'est bizarre, parce que quand même, avec l'anglais, il passe moins fort que quand il n'y en a pas. Là, je l'ai coupé en plus, allez. Je suis obligé de vous laisser, ma fille, c'est fait mal. Je vous laisse. Un peu, c'est pas bien, attention. C'est chiant ton truc là, ça marche pas. J'ai peur ton machin, je sais pas, c'est bizarre quand même. Putain, avant tu m'arrêtes plus fort que ça, merde. Ben, parce que j'avais le Lincoln avant. Et comme j'ai plus d'alimentation, j'ai la petite base là. Ben, franchement, je sais pas si ce que tu dis, je comprends. C'est chiant quoi, j'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Je t'entends parler, mais c'est petit, hein. Je te sens pas au niveau modulation, c'est pas le top du tout. Hein. Salut la station, les bonnes 73 de la part de Nadi 33. Ben là je suis de ce soir, je viens bosser sur Abzac. C'est pour ça que là on m'entend exceptionnellement dans le coin. Ouais, salut Nadi, je t'ai reconnu, mais bon, c'est petit, hein. La radio qui est pas percutante, mais bon, je t'entends quand même. Ouais, le gardien de l'usine, nous là on dira pas plus. Là t'as tout dit là. Un chi trois coups. Ouais bah oui voilà. Je suis étonné là, j'entends plus grand monde là de ce côté-ci là. Ben bon c'est pareil, je fais des passages, écoute. Puis si tu veux, t'en veux qu'il y a personne, mais je reste pas allumé, mon frère. Alors on va écouter les fantômes non plus. Pas la journée, il va falloir autre chose à faire. Mais disons que ça devient bon hein, ce truc là. Il va falloir, tu sais, il va falloir qu'ils arrêtent un petit peu les portables et internet, hein. Parce que ils ont tout oublié. Ah ça c'est sûr. Et pourtant sur pas mal d'endroits la CB revient quand même pas mal. Hein. Et en ce moment la tendance est plus du côté des stations fixes, d'après ce que j'ai pu remarquer là sur internet. Et sur 19 là de mon côté. Ah désolé, on a parlé en même temps. Ah je suis désolé, on a parlé en même temps. Quelqu'un fait QSY? Ah oui, toi sur le vert, Dendy. Ça marche. Ouais, c'est pour éviter qu'on encombre le 19. Tu y a un pour le monde qui a quoi, on risque rien. Oh, tu sais, bien, moi j'ai remarqué un truc, c'est que c'est bien souvent dans ces cas-là, là tu as un passage de calme sur le 19, tu vas te mettre à parler dessus, paf, ça y est, il y en a un qui va apparaître, qui va te demander de faire QSY. Là, ce coup-là, on l'a déjà fait quelques fois, là. Ouais, bah, de toute façon, parce que le moment où tu vas te manifester, les gens vont arriver. Alors, soit ils sont tous là, écoute, ils ne veulent pas, ils sont timides. Ils deviennent de plus en plus timides.
automobile, y a pas moyen, je sais même pas pourquoi. J'ai mis le poste à la Mercedes, hein, parce que je l'ai enlevé, parce qu'il n'y a plus personne. Mais si, mais si, mais si, il y a du monde. Là, disons que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup restent en écoute. Ça, à tous les coups, ça doit être une habitude avec avec Internet et tout. Bah forcément, hein, Internet, tu lui parles pas, quoi. Tu adresses pas la parole à Internet. Hein. Et du coup, j'ai l'impression que les gens ont un petit peu parlé, perdu l'habitude de converser avec d'autres. Hein. Bah disons que si tu veux, par Internet, y a pas de brouillage, y a pas d'emmerdeur, y a pas quoi que. Et mais voilà, quoi, les gens sont plus... Même si pas juste pour entendre bien, mais c'est vous qui êtes sur la plaque, non? Oui, je suis face au pro, là, un petit peu dans la descente. Là, j'entends bien un truc derrière. Sur Internet, alors honnêtement, il y a plus d'emmerdeurs sur Internet que sur la CB. Alors là, il n'y a pas photo, hein, c'est clair. Hein. Ah, parce que moi, si vous, j'ai Internet sur le portable, mais j'y vais pas, quoi. J'ai rien à branler, moi. Tu vois, j'ai la radio, je savais faire. Après, je vais ailleurs, moi. Je vais pas te cacher que les fréquences CB, c'est bien. Il y avait pas mal de potes. Parce qu'il y a très longtemps, il faut en prendre un essai, là aussi. C'est comme tout. Mais bon, c'est partout pareil, je crois. Quand t'es sur Internet, quand t'es n'importe où, les Français, c'est tous les potes trop du cul. Les faux culs. Voilà ce que je dis, moi, parce que c'est pas autre chose, hein. Bon, voilà, c'est le monde actuel. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'est beau et moderne, hein. Là, on s'en passe en servir, hein. Ok, je suis en train de regarder l'heure. Eh ben oui, va falloir que là je descende vers le pro, que j'aille préparer mes affaires et tout pour une courte nuit. Ah, ça m'est arrivé au beau jour, pêche en main. Ouais. On s'est déjà copié, c'est Fifi, hein, moi je sais pas si ça rappelle, en mobile déjà. Comme les Thibauts, un truc comme ça. Et puis vous savez que je suis pas souvent au-dessus, moi j'arrive un petit peu, si rien, je coupe. Hein. Ben oui, ouais, je sais bien, et pourtant aussi, il y a du monde. Hein. Est-ce que, tiens, ce matin, par exemple, là, j'ai débauché là, de Bordeaux, donc j'étais sur mon site habituel, et donc j'ai pris le pont d'Aquitaine vers les 6h05, 6h10, là, dans ces eaux-là. Comme à chaque fois, quand je passe le pont d'Aquitaine, j'envoie un petit bonjour, et puis ça n'a pas loupé, hein, ça, si avant ça, j'entends des personnes, ça a de suite répondu. Hein. Mais, comme je dis à chaque fois, si tout le monde reste en écoute, ça fait beaucoup moins de bavards. Mais bon, les gens ont un petit peu de mal à comprendre, ou un petit peu de mal, enfin à comprendre, non, bien sûr qu'ils comprennent, évidemment. Mais ils ont un petit peu de mal à prendre le micro, à ce que ça devienne un automatisme, quoi. Mais c'est vrai, c'est le monde moderne, qu'est-ce que tu veux, ben, c'est dommage, parce que à l'époque, quand tu étais un petit clan, là, on se demandait quelque chose, parti par là, peut-être j'étais en question tout à l'heure, là, sur le 16 ans supérieur, tu vois, là, avec deux, trois copains, là, et puis, tu vois, c'est pas grand monde, mais après, il y a d'autres, là, qui se manifestent de temps en temps, mais, bon, voilà, moi, je suis très, très peu souvent là-dessus maintenant, parce que personne, le soir, les copains qui appellent, ils sont là, qui sont là, s'ils te répondent, s'ils en ont envie, tu sais, quand tu vois ça, ben, écoute, faut les motiver, faut leur trouver de nouveaux sujets de conversation qui les intéressent. Je sais pas, oh putain, hey, je repars à discuter, je vois là, 20h18, là faut que j'y aille. Et pourtant merde, c'est pas l'envie qui me manque de garder le micro, mais là faut vraiment que je me bouge, là que j'aille au pro. Hein. Voilà, je suis en train de commencer à descendre là, tout doucement, là, vers le pro. Je t'envoie les bandes 73, je te dis bonne soirée, à la prochaine. Ok, ça marche, bonne soirée à toi, je te dis à bientôt. Merci pour ce petit QSO, bye bye.